Avec qui être coincé dans un ascenseur? Avec Solène de Love Island. Je pense qu'on pourrait bien rigoler, surtout si on reste coincé. Je pense que ça pourrait être très sympa. On rigolerait beaucoup, je pense. Je la connais pas assez pour dire certaines choses, mais en tout cas, ce serait très agréable. Avec qui aimerais-tu te retrouver sur une île déserte? Je dirais Bastos, parce que je pense que c'est tout faire. Moi, je me débrouille pas mal non plus, et je pense qu'on pourrait rester même quelques années, ça irait très bien. Je pense qu'avec lui, tout roulerait comme sur des roulettes. Avec qui pour une nuit? Pour une nuit, une belle inconnue à Bali. Pas française, de préférence, pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Avec qui pour la vie? Ah, pour la vie, bah, Iris Mittener, hein. Classique, tout le monde connaît, hein. Ça reste la plus belle femme de l'univers. Avec qui faire un octogone? Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, je pense avec Vivian, parce qu'il mériterait que je lui mette un petit uppercut dans sa face. Il m'a cherché à un moment donné des noix sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais bien lui rendre un petit coup, tu vois, pour pas trop me chatouiller, quoi. Avec qui enterrer un corps? Alors, soit je prends quelqu'un de très intelligent pour être sûr de pas être pris, soit je prends quelqu'un de très bête pour tout lui mettre dessus. Je prendrais Mathias. Je suis sûr que lui, déjà, il se prend pour un voyou, donc je pense que l'idée le botterait. Et en même temps, je pense que j'arriverai à me dédouaner et tout lui mettre dessus. Avec qui partager ton plus gros secret? Mon plus gros secret, je pense que dans la télé, je pense que je le partagerai avec Vincent, parce que je pense que ce serait un secret bien gardé. Avec qui partir en road trip sac à dos? Moi, je partirai avec Anna en road trip sac à dos. Anna de Love Island, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser, et puis je pense que ça pourrait être sympa de se connaître sur cette petite randonnée au bord des falaises balinaises. Avec qui te marier? J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai posé le genou à terre plusieurs fois. Si je devais choisir une femme aujourd'hui pour me marier, je pense que je prendrais quelqu'un qui a déjà bien vécu, qui a peut-être des enfants. Je prendrais Emily Neff-Naff pour me marier. Ça doit être une bonne maîtresse de maison. Avec qui faire un tatou? Faire un tatouage avec mes meilleurs amis d'enfance. Faire un tatouage qui nous lie tous ensemble. J'y ai déjà pensé, je leur ai déjà évoqué le sujet, sauf qu'ils sont pas très tatouages. Mais faire un tatouage qui nous lie à vie ensemble, un petit mot, un petit avocat dénoyauté avec l'autre qui a le noyau, un petit truc comme ça. Avec qui envoyer des nudes? Avec Margot Robbie. Oh, quand elle était dans le Loot Wall Street, là. Pff, fantasme, incroyable. Avec qui échanger un baiser? Avec Vanessa Hudgens, devant le lycée East Tyle, High School Musical. Et lui chanter We breaking free, we flowing, flying, there's not a star in heaven and we can reach.